Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'améliorer des véhicules avec des pneus tout terrain ou alors un chasse-pierre. Alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de vous rendre ici à la plus grande pompe à essence de Fortnite, donc c'est en centre de la map de Fortnite. Vous vous rendez à cet emplacement et vous allez voir que dans le garage vous allez trouver des pneus tout terrain. Ah, ils y sont pas parce que je suis en lave de combat. Mais c'est pas grave, normalement là il y a toujours des pneus tout terrain, mais comme je suis en labo de combat ils y sont pas. Mais dans une partie normale ils y seront obligatoirement. Sinon ce que vous pouvez faire c'est trouver un chasse-pierre, donc les chasse-pierres vous allez pouvoir les trouver dans des boîtes à outils comme celle-ci. Alors bien entendu ça ne vous donne pas obligatoirement des chasse-pierres, parfois ça vous donne des pneus tout terrain ou des chalumeaux, mais voilà, vous allez pouvoir les obtenir dans des petites boîtes à outils rouges. Donc quand vous avez un chasse-pierre ou des pneus tout terrain, ce que vous faites c'est que vous lancez le chasse-pierre ou les pneus tout terrain sur votre véhicule et là ça améliorera le véhicule. Donc pour réaliser le défi vous allez devoir le faire sur 3 véhicules différents. Donc je pense que sur celui-là ça ne fonctionne pas, ouais, parce qu'il est cassé. Donc il faudra le faire sur 3 véhicules différents. Là j'ai que 2 chasse-pierres parce que les chasse-pierres ça ne spawn que par l'eau de 2. Donc il faudrait que je trouve soit des pneus tout terrain ou alors des autres chasse-pierres pour terminer le défi. Mais dès que vous aurez modifié 3 véhicules de cette façon, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.